Hey, est-ce que tu savais que cet homme est le troisième président de la République française? Patrice de Mac-Mahon est le deuxième président de la troisième République française de 1873 à 1879. C'est un ancien sénateur du Second Empire et un ancien gouverneur de l'ancienne colonie d'Algérie. Il est à la tête de l'armée versaillaise qui réprime dans le sang la Commune de Paris, tuant des milliers de personnes. Il est élu président de la République par la majorité royaliste qui promettait en fait une restauration de la monarchie et l'arrivée d'un nouveau roi. Mais le projet tourne mal et on préfère voter plutôt le septennat présidentiel. Son gouvernement est remanié plusieurs fois pour concorder avec la majorité législative. Adieu les monarchistes et bonjour les républicains. Tu comprends vite qu'un conflit des idées politiques s'installe alors dans le gouvernement qui mènera tout simplement à la démission de Mac-Mahon en janvier 1879. Dis-moi si tu veux en savoir plus et connaître le quatrième président de notre pays. Abonne-toi pour plus d'histoires VG.